Bonjour à vous, aujourd'hui on est parti sur le troisième épisode. Alors avant de commencer, je voudrais m'excuser. Je viens de me rendre compte qu'une partie du premier épisode avait été coupée pendant l'édition. Donc en gros, les premières secondes où je vous disais un petit peu de quoi il s'agit avec ce jeu. Donc alors je recommence dans cet épisode. Donc c'est un jeu de survie, gestion, simulation dans lequel on va devoir donc améliorer notre wagon pour pouvoir survivre et arriver à distance. On est poursuivi par un brouillard. On m'a demandé pourquoi le brouillard nous poursuit. Parce que, voilà, on ne sait pas plus, on est comme les gens, on n'a pas plus d'informations, on sait que le brouillard est mortel lorsqu'il arrive à une condensation trop forte. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des monstres dans le brouillard, peut-être qu'il y a des éclairs qui tuent les gens quand le brouillard devient trop épais, parce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a un coup d'éclair. Et on me demande pourquoi est-ce qu'on doit arriver à destination ? Ben, pour survivre, je ne suis encore jamais arrivé là-bas, donc je ne sais pas pourquoi. Le jeu est vendu actuellement donc sur Steam, il est vendu à 14,99€ et il est pas en early access, il est en version complète. Donc voilà, ça aurait dû vous être dit en début de Let's Play, je m'excuse, je ne le dis que maintenant. Alors, dans l'épisode précédent, on avait recueilli 11 personnages, donc on était à 5 au début, donc là on en a gagné 6 nouveaux. On manque un petit peu de carburant, si vous pouvez voir la jauge de carburant est tout en bas, les choses sont vraiment pas bonne pour nous, il nous reste un de carburant et on doit avoir 4 de carburant pour atteindre l'objectif, donc ouais, voilà, c'est pas trop bon pour nous. Du coup, ce qu'on va faire, bah déjà, on va lancer la loterie, hop, et on va dans celui-ci. Alors, regardons, là, déjà, vous voyez que là, ils nous aiment pas, mais on va les emmener dans l'autre endroit. Il va y avoir un petit peu de compétition, hein. Je crois que je vous l'avais dit, un petit peu de compétition entre les deux chefs, mais bon, c'est pas grave. Je pensais d'ailleurs l'avoir fait, d'ailleurs, le changement. On les envoie, j'espère que ça n'a pas envoyé des gars blessés. Et donc maintenant, on va bouger les passagers. Alors, tu vas vers le 1, hop, hop. Donc j'ai remarqué quelque chose aussi, le jeu ne nous permet pas de sauvegarder à n'importe quel moment. On ne peut sauvegarder qu'au moment où il y a la loterie. Si jamais on arrête avant qu'on revienne à la loterie du lendemain, et eh bien on revient au début du jour, voilà, au début du tour. Ok, donc on a bougé les gens par rapport au cargo. Alors qu'est-ce qu'on a en cargo? Là-bas on avait rien. Alors je crois qu'il avait bougé le cargo, hein. Bon, c'est pas grave, on va le laisser pour le moment. Je ne sais pas si on va pouvoir survivre. Donc est-ce qu'on a donné des ordres? Est-ce qu'ils font quelque chose dans le 1? Non, ils ne font rien, vous voyez, ils ne font rien du tout. Le prochain rêve est toujours sur les Shamblers. Et on a quoi? Alors là, c'est pour Shamblers. Ben, normalement, on est bon, hein. On est assez bon. Alors, on va pas leur donner d'ordre pour qu'ils se concentrent sur l'amélioration du côté énergétique. Alors, ok, bon, ben, on est parti. Ouais, ça clignote, je sais. Alors, on accélère. Hop. Et qu'est-ce qui se passe, là? Ah, on est passé à la période garde, donc on a toujours du carburant. On va dormir. Ouais, donc je pense que ça m'avait ramené au début du jour précédent. Ok. Est-ce qu'on va se faire attaquer? Ah, on se fait attaquer, ok. On se fait attaquer par quoi? Je sais pas c'est quoi. Waouh, ok. Ça c'est le vendeur, sûrement le vendeur. Le salesman. Il se ramène, il sonne pour nous vendre des choses. Ok. Attention. Il a sonné où là? Et est-ce qu'on était prêt à le repousser? Alors, on a une notification. D'accord. Ouh, on a perdu un item. Et on a eu 3 blessés. Et vous voyez, ça nous a dit que la performance a été affectée par le rewind, c'est-à-dire comme j'avais fini l'épisode avant d'arriver à la période loterie et donc de sauvegarder, ça m'a ramené en arrière et donc j'ai une pénalité et je me suis rendu compte que j'ai une pénalité à chaque épisode parce que ça m'est arrivé à chaque épisode, donc à chaque fois j'avais des performances moins bonnes à cause de ce problème-là. Donc là on a perdu des choses, on a sûrement perdu de la nourriture au vu de ce qui s'est passé. D'accord, et donc là on n'a plus que 5 jours de nourriture. Donc il va falloir en choper. Parce que vous voyez, c'est une des inquiétudes. Là ils sont revenus en neutre, donc il va falloir essayer de les ramener. Alors la loterie, on est parti. J'espère qu'il n'y a personne. Alors je vais virer ceux qui sont blessés. Voilà.
Très bien. Et là, on a 11. Et du coup, normalement, on n'a plus de carburant. Regardons. Je crois qu'on n'a plus de carburant. Ok, alors on est parti. Est-ce que je vais leur donner quand même un ordre? Ouais, je vais quand même leur donner un ordre parce que j'ai l'impression qu'ils aiment avoir un ordre et qu'ils ne sont pas contents s'ils en ont pas. Du coup, est-ce que déjà vous avez. Non. Plutôt là. Ils l'ont pas vraiment avancé, hein. Ils sont vraiment lents, donc ça je comprends pas trop. Alors on va améliorer le train, quel va être le prochain cauchemar? Les chamblers toujours. Donc améliorer les défenses, on va mettre, hop, go, juste une, et on fait passer le temps. Et avançons, on a toujours du carburant, ouais. Le train va, non, le train est arrêté. Ah, j'ai oublié de donner l'ordre d'avancer. Ah bah d'accord. Alors, il y a quoi devant nous? Peut-être que ça va nous sauver. Oh, il y a un rail dépôt. Bah du coup, ça nous a sauvés. On va pouvoir l'atteindre. Si j'avais pas attendu, on n'aurait pas eu l'information là et on n'aurait pas eu du plus sur le carburant. Alors, on va arriver à 3 p.m. si je vais à la vitesse rapide. Non, ça peut être bon. On est obligé d'aller à cette vitesse-là. Ah bah du coup, je comprends pourquoi on se fait attaquer. Je suppose que le fog a augmenté. Bah ouais, bien sûr. Ah là là, les bêtises qu'on peut faire. Ah bah tiens, on est tombé en panne de carburant, malgré tout. Ouais, on avait quand même pas assez de carburant pour arriver là-bas, vous voyez. Il restait un carburant, mais il restait plus rien du tout. Donc alors du coup, là la batterie est en route. Alors, avant qu'il n'y ait plus, on va faire une Hail, ce qu'on appelle une Hail Mary. Donc oui, on y va. Et donc là, on va retirer les choses qui bloquent et on va envoyer les 5 personnages que nous avons là. On va les envoyer et ils vont aller chercher des ressources. Alors j'espère qu'ils vont revenir avant qu'on ait plus d'énergie. Donc là, les voici. Oh, bah tiens, il y en a déjà un qui est mort. Un autre est mort. Eux ont survécu. Donc là, c'est vraiment le cas là où on est dans une situation catastrophique. Ah, 3 passagers sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils nous ont ramené? Ils referment le tout. Ils ont trouvé 6 de carburant, génial. Donc on a changé 2 vies contre 6 de carburant. Regardons, juste 6 de carburant, ils n'ont rien trouvé d'autre. Ok, donc on va reenclencher le moteur avant que la batterie se vide. Ah bah il s'est déjà reenclenché. Et donc on va quand même s'arrêter là. Donc on va y aller en vitesse. On va y aller en vitesse rapide parce que je veux qu'on parte de cet endroit là où il y a beaucoup de fog. Et si j'y allais en vitesse moyenne, le problème est que je serais arrivé à trop tard. Ah ouais, j'aurais dû m'arrêter et rester la nuit. Ok, donc là on est reparti, on est en train de recharger, on a perdu 2 personnages. Donc regardons un petit peu. Bah finalement ça nous a sauvé la bêtise, hein. Vous voyez, j'avais pas pensé. Alors j'avais donné l'ordre de me déplacer dans l'épisode d'avant, mais quand on est revenu, ça avait annulé ce que j'avais fait vu qu'on était revenu au début de la partie. Et donc du coup, bah on avançait plus. Hein. Donc là du coup par contre il y en a qui sont vraiment blessés. Est-ce que j'ai de quoi soigner? Non, oups, il faut revenir là. J'ai de quoi soigner, donc je vais les laisser faire leur machin. On est parti, et donc là on va sûrement se faire attaquer par le fog. La raison étant qu'il est vraiment dense vu qu'on était resté sur place. Mais bon, alors. Attention. Non. On a survécu. Bon. On a toujours 8 personnages, on en a plus... Hein? On en a 9? Ah oui, on en a perdu 2, oui, c'est vrai. On a 9 personnages, et donc c'est toujours un plus pour nous, hein. Du moment qu'on en a plus que 5, tout est bon. Ce que je voudrais, ça serait arriver à un endroit où on va pouvoir choper plus de carburant, hein. Et également, j'aimerais... Toujours blessé. Et j'aimerais également choper du carburant. Alors... plus de la nourriture, pardon. Plus de carburant, plus de nourriture. Donc là, bah la loterie... On va devoir mettre des gars qui sont blessés. Voilà. Là, ils me soutiennent à nouveau, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont eu des ordres de construire quelque chose, donc peut-être c'est ça qui les a motivés. Là, ils sont toujours en train de construire, je sais pas combien de temps ça va mettre. Quel va être le prochain cauchemar? Toujours les chambleurs. Il me reste 3, mais j'aimerais peut-être... On a quoi d'autre comme rêve? J'aimerais... Alors, on a des défenses contre ça. Est-ce qu'on a des défenses contre les vendeurs? Non, il faut que je regarde dans le stock. Alors là, on a chamblers et travailleurs. Là, on a le vendeur. On a le carnaval. Le carnaval. Encore le carnaval. Encore le carnaval. Oh, purée. L'enfer, l'enfer. Encore l'enfer. Encore l'enfer.
Ok, donc il faudrait qu'on commence à diversifier un petit peu, peut-être un peu plus pour les vendeurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup pour eux, au cas où ça arrive éventuellement. On va en remettre un en plus. Go. On garde quand même des ressources au cas où il y a une urgence, un nouveau danger, quelque chose comme ça. Donc là on en est où? Ok, là vu qu'on a allé, on a accéléré, vous pouvez voir que le niveau de fog a bien baissé, on s'est éloigné de l'autre endroit. Je vais continuer à aller à la vitesse rapide, je peux pas ralentir. Si je ralentis, je vais arriver trop tard là-bas et on va devoir dormir avant de pouvoir sortir. Hein, ce qui est trop embêtant. Ok, alors on regarde. Hop. Ok, on est toujours dans la période travail, donc on va pouvoir sortir avec les gens. Il est 4h et on peut travailler jusqu'à 6h. Bon. Alors, on est au dépôt et on a que 4. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, on a qu'un seul endroit. Donc on va envoyer nos gens. Alors, lequel qui peut transporter plein de choses? Bah tiens, toi, vu qu'on a des nouveaux gars, tu vas porter le sac à dos. Regardez, il passe de... 59 ou 69, enfin, je sais plus comment il avait. Je vais essayer de le donner à quelqu'un d'autre, le sac à dos pour... Ah, je peux pas le désélectionner. Bah, il est donné. Ok, bon, bah, c'est comme ça. Alors, du coup... Alors, Reed, le dernier, on va le mettre... Hein, il aurait été un bon... Bon, on a un meilleur garde, ok. Alors, on va voir le plan, il faut qu'on se dépêche, hein, on a du temps ici, avant 6h. Donc, on commence là, il y a une porte à côté, génial. Alors, à D, on a un stockage de carburant. Ah bah, génial. Alors, qui c'est qui... C'était le 5, oui. Ok, 5, tu vas chercher... Est-ce que je peux te mettre à deux endroits? Non, ok, bon bah tu vas aller là. Alors, on va le mettre tout proche de la porte en couvrant le maximum. Tu as 1 minute 43. Tiens, tu vas rester 1 minute. Alors, je voudrais voir le fog. Ouh, ok, il va falloir mettre du garde. Du coup, qui c'est qui est bon en garde? Garde. C'était Nelson, donc le 2. Donc là, on a mis le 5, maintenant on va mettre le 2. Ah oui, est-ce qu'il y a des gens? Il y a des gens là-bas, ça tombe bien. Ok, on va devoir essayer de les inclure. Ils sont là-dedans. Donc, Nelson, on va te mettre ici. Comme ça, tu vas couvrir toute cette zone. Je vais te faire rester le maximum de temps. Voilà, 1 minute 40 pour que tu couvres tout le monde. Bien. Maintenant, qu'on a ça, j'aimerais également qu'ils trouvent d'autres endroits. Donc, alors, attention. Donc, on a le 1, 3 et 4 maintenant à déployer. Donc, alors, Smith, t'es bon en quoi? T'es bon en transport. Le F, il est là-haut, ça m'embête un petit peu. Ok. Non, on va pas le mettre, on va pas le faire rechercher du carburant, pas lui. Je veux juste qu'il se concentre sur ça, là-haut. Et on va le faire rester, voilà, une minute, non. Voilà, 40 secondes, j'aimerais qu'il y ait de la nourriture là-haut, en fait. C'est pour ça que je l'envoie si haut. Bah, d'ailleurs, même Nelson, je vais mieux te placer. Ah zut, Nelson c'était un autre. Ok zut, c'était le 1. Non, je vais pas le mieux le placer. Il est très bien placé en fait. Il est très bien placé parce que vous voyez, il est positionné juste dans la zone du rond. Ok, donc là on a posé qui? Alors, il devrait nous dire lesquels on a déplacé, hein. Donc là j'ai mis le 5, le 2 et le 1. Donc là on va mettre le 3. Le 3, il est bon en rien du tout. Ok, bon, le 3, on va te faire, on va te déplacer. Bah, toujours à l'endroit là, on va rechercher ici. Hein. 3, 1, et tu vas chercher dans le coin. On veut du carburant. Donc, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Trouve-nous du carburant. Il nous faut également... Alors maintenant, on va passer au 4. Qui est bon en rien non plus. qu'est-ce qu'il y a? Il y a un G, il y a un bureau au G, mais le G, il est tout au loin. C, B. Mais il est où le G? Je vois pas le G. Il est ailleurs? Bon, d'accord. Ah, ok. Il est là, il est au centre. Il est caché. Dans le H, il y a du stockage. Bon, on va essayer de t'envoyer là-bas. Donc, tu vas... Allez, alors le 4, tu vas chercher... Et tu vas rester dans le rayon. Et le C, c'est la salle de bain. Donc ça peut être trop utile. Le B, c'est le workshop. Ok, donc on va le mettre là. Et tu vas rester moins longtemps. Ok, 1 minute 39. Même un peu moins parce qu'il faut que tu rentres avec le garde.
Ok, donc je pense qu'on a mis tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ronds. Et on peut commencer la mission. Alors, priorité 2, nourriture. Priorité 1, carburant. Voilà. Ok. Go. Ah, on confirme. Les ordres sont partis. Et donc on a Anne Reed. Bah, ah, Anne Reed, c'était un nouveau leader, je crois. Ouh, elle est déjà inquiète. Des morceaux de machine, des produits chimiques, du carburant, beaucoup de carburant, des morceaux de machine, des supplies. Alors on sait pas c'est quoi les supplies, ça peut être de la nourriture. Waouh, ok, waouh. Les gars, ils se déchaînent, vous avez vu les annonces. Là, les deux là sont inquiets, alors je sais pas où ils vont. Ok, encore du carburant. Ah, on a trouvé les gens, deux nouveaux qui vont revenir, qui vont remplacer. Et elle, Suzanne Nelson, je peux plus voir où elle est partie. Ils devraient nous mettre une lettre. Ok, de l'électronique, alors ils vont pas pouvoir rapporter tout ça. Hein. Et elle, elle est toujours dans une situation rouge parce qu'elle est dans un endroit où il y a beaucoup de brouillard. Alors, ok, le garde est toujours là. Eux devraient commencer à rentrer avant. D'ailleurs, ça sert à rien de les laisser si longtemps, vous pouvez le voir. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas, ils ne chopent rien de nouveau. Hein. Donc en fait, en quelques secondes, c'est bon. Il n'y a pas besoin de les laisser plus longtemps. On le prendra en compte pour nos prochaines missions pour que ça soit plus si délicat, hein, si proche du timer. Donc lui rentre. Lui va bientôt rentrer. Je crois. Ça serait bien, voilà. Et donc là, ça commence à être rouge. Le garde est toujours dans le coin pour les protéger. Il devrait y aller dans pas longtemps. Là, il devrait commencer à bouger, non? Ouais, voilà. Et donc là, tout le monde est en sécurité. Et là, il nous reste, je sais pas, 15 secondes à peu près. Mmh. Et le brouillard n'est qu'au niveau 6. Alors on pourrait repartir, mais on a déjà fouillé l'endroit, donc je pense pas qu'on va trouver grand chose. Donc autant continuer notre progression. Ok. Alors. Le rapport. Donc. Le fog est à 37%, pas de problème. Mission 1 minute 32. Il y avait 39 items découverts et on a pu en ramener que 8. On a ramené 9 de carburant. Ok. On a trouvé des morceaux de machine et on n'a pas trouvé de nourriture. Donc maintenant notre nouveau problème est la nourriture. Alors on va se retourner. Et donc là on a deux groupes. Bon, on va les ramener là-bas. Hein. Éventuellement. On va augmenter ça pour les protéger. Ok. Regardons notre prochaine destination. Pas de nourriture. Il y a un pub. Donc là-bas, il peut y avoir de la nourriture. On a assez de carburant pour y aller en vitesse rapide. Ah, ici, il va y avoir de la nourriture. Donc on peut s'arrêter là. Mais je me demande combien de temps ça va prendre. 5. 13. Ça va prendre tout notre carburant. Ah oui, ah ok. Si jamais on va là-bas, on va y arriver au 15 février. On est le 7, donc en vitesse rapide. On va arriver dans... Ouh, dans longtemps. Regardons combien on a de nourriture restante. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose. On a 3 jours de nourriture. Donc c'est pas une option. D'accord. On va aller là. Et là, en vitesse rapide, avec un petit peu de chance à la clinique, on va arriver le 10. Donc on va arriver pile dans 3 jours en vitesse rapide. Ouais, et là ce serait trop lent. Donc on doit aller là-bas. À moins qu'en retournant là-bas c'était trop dangereux. On doit aller là, on n'a pas le choix. Et on y va en vitesse rapide. 5 de carburant. Go. Donc on a vraiment une situation tendue. Très tendue, espérons qu'on va avoir de la nourriture. Et là on va mettre priorité nourriture hein, pour le prochain coup. C'est parti. Ok, donc maintenant on va... Ah, il y avait un petit message, qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ils ont fait une amélioration. Alors, le jour suivant. Est-ce qu'on va être attaqué? Je crois pas. Alors, bon, la loterie.
Alors aujourd'hui on va rien avoir, donc est-ce que je fais une loterie? Je sais pas, j'aimerais bien qu'ils se soignent. Alors je sais pas si on peut, ils peuvent se soigner quand ils font des choses. Donc là je ne vais rien faire. Et je me dis que peut-être pour continuer à améliorer, il faudrait que je clique là et que je resélectionne. À mon avis, ça a arrêté l'amélioration de la batterie. Donc on va leur dire de faire ça. Améliorer le train. Power. Ok. Regardons ici. Ah oui, alors je sais ce que je vais faire. Radio. Je veux des supplies. 472. Comme ça, si ça sonne, ça peut nous indiquer des endroits là où il y a à manger. Ok. On a avancé. Il n'y a pas de nouvelle indication qui pourrait nous aider. Ah, par contre, il y a un nouveau drapeau. Alors, on va y retourner. Là, il y a les fearless. Donc, on risque de se faire attaquer par des fearless là-bas. Ce qui est vraiment embêtant. S'ils nous voient, et on n'a pas assez de carburant pour les éviter. Donc, attention, on va avoir des morts encore. Bon, dodo. Si j'avais. Enfin, on a assez de carburant pour les éviter, on a pas assez de nourriture pour les éviter, pardon. Ou alors, on va devoir commencer à décharger des gens. Regardons. Ouais, ça a bien avancé. Et là, oui, l'inquiétude, c'est la nourriture. On a de la nourriture pour 2 jours. Regardons les stats des passagers dans l'endroit 2. Il est blessé. Pas de stats. Maintenant, on va devoir te lâcher. Est-ce que je peux. Ah, je suis plus dans la loterie. Zut. Ah si, non, il faut que je fasse la loterie avant, ok. Loterie, ok. Alors, elle est blessée, elle ne vaut rien. Ah, je peux pas les relâcher. Je peux jeter du cargo, mais je peux pas leur dire de dégager. Dommage. Ah, j'aurais bien aimé leur dire, allez, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Ok, bon bah, on est comme ça. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais leur. Bah, je vais leur donner l'ordre. D'améliorer le train. Ah, on peut pas améliorer le power, pourquoi? Ah, ils sont déjà en train de le faire, peut-être. Ok, ils ont là, du coup, l'ordre continue, il ne s'arrête pas. C'est peut-être un bug lors d'une recharge. Ok, alors on est parti. Et regardez, les fearless se rapprochent. Ah, et derrière nous, on a quoi? Un rail dépôt, ouais, mais il va y avoir du carburant, mais il va pas y avoir de la nourriture là-bas. Là-bas, ça m'amènera le 13. Ouais, ça sera dans le 4 jours, je peux pas y aller. Bon, bah, ok, on va le voir se battre avec les fearless pour de la nourriture. Du coup, on va dormir. Dans la rail dépôt, il n'y a pas de nourriture, c'est normal. On a des ressources, on a du carburant, on a des composants, ce genre de choses, mais on n'a pas de nourriture. Ok, alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ils vont sûrement râler qu'il n'y ait pas de nourriture. Ah, il y a 2 personnages qui sont morts à cause de la faim, déjà. Je pensais que j'avais encore de la nourriture pour. Ah bah oui! J'avais pas de nourriture à leur transférer, vous voyez. Il aurait fallu que je leur renvoie de la nourriture, et comme ça ils auraient pu manger, vous voyez, parce que. Quand on regarde. Ouh, ils ont bientôt fini. Quand on regarde là, il y a de la nourriture. Mais là, il n'y en a pas. J'avais. Ouais, ça m'arrange en fait. Hein. Ça m'arrange vraiment. Et par contre, tout le monde est blessé et personne ne se soigne. Regardez. Tout le monde est blessé. Ok. Ah oui, alors là, la loterie, parce qu'on va devoir faire sortir des gens. Donc. Bah, au hasard, hein, là, pour le moment, pas besoin de s'embêter plus. Là, je peux baisser le niveau d'énergie. Ça sert à rien de les mettre là. Je crois qu'on va bien, on va combattre aujourd'hui. Donc on va baisser l'utilisation énergétique pour garder la batterie active plus longtemps. Et on est parti. Ok, on est sur place. Les fearless sont toujours là. Regardons le message qu'on a eu. Ils ont fini l'amélioration du power. Bah tiens, regardons, est-ce qu'elle est chargée à fond? Ouais, donc elle va durer super longtemps, ça c'est cool. Ok, alors, du coup, où est-ce qu'on va aller?
Je sais pas où il pourra avoir de la nourriture. Sûrement pas là. Sûrement pas là. Bon, on va essayer la clinique. Avec un peu de chance, il y a le reste de la nourriture. Alors, ce qu'il pourrait donner aux gens, etc. Du coup, bah, lui, Reed est passé de 56 à 66. Augmente de 10%, en fait. D'accord. C'est indiqué là. J'avais même pas eu. Alors, le radar. Oh, les Fearless sont pas là. Ils sont pas là. Génial. Ok, par contre, il y a plein de gens. Ah, j'ai pas trop envie de les ramener, les gens. J'ai pas de quoi manger. Alors, si je ramène des nouveaux, on va devoir quand même mettre un garde à cause du niveau Ah, zut, on va devoir mettre des gardes car il y a du brouillard. Donc, on va en ramener quand même. Zut. Alors, qui c'est qui est bon en garde? Nelson, comme d'hab. Donc, Nelson, t'es le 2. Hop, on te met ici. Hop, voilà. On n'a pas besoin de le laisser trop longtemps. Donc, on a 56 secondes, il faut que tout le monde ressorte sous 56 secondes, sinon j'augmenterai son temps. Ah, il y a une kitchen. Kitchen, elle est haussée. Alors attends, Nelson, je vais te replacer. Donc tu vas venir garder là. Ok, donc du coup, on va devoir aller un peu plus loin. Je vais lui redonner 1 minute 20. Ok. Alors, donc du coup, qui c'est qui peut ramasser beaucoup de choses? Non, 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 non. Ah, bah tiens. C'est Reed, oui. Reed, t'es le 5. Tu vas chercher ici, que du C. Je veux que tu ramasses que là. Toi, ok, 55 secondes si tu veux. Trouve de la nourriture, que de la nourriture. Maintenant, on va envoyer. Donc, on a envoyé le 5 et le 2. Donc, le 1, il transporte pas mal. Donc, on va l'envoyer chercher de la nourriture. Smith, cherche ici. Boum, c'est quoi le E et le F qui est à côté là? Medium office, oui, on s'en moque. Ensuite, il y a Nelson, il est d'ailleurs. Il était pas mal en recherche d'ailleurs au passage, mais bon, pas grave. Et donc là, on a mis le 1, le 2 et le 5, mais maintenant le 3 et le 4 qui ont pas de stats. À chaque fois, le 3 et le 4 ont pas de stats particulières. Donc le 3, tu vas chercher la zone complète maintenant. Ok. Même je les ai mis trop longtemps, c'est pas grave. Le 4, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être le faire aller ailleurs quand même. Bon, on va regarder ce qu'il y a par là. On n'a pas besoin de rester, ok. 14. Je crois qu'on est bon. Alors, priorité, food. Deuxième ressource, carburant. Dernière ressource, des médicaments. Oui, qu'il y en a pas mal. Il y en a, on n'en chope pas de toute façon. Priorité, nourriture. Hein. J'aurais même effacé tout le reste. Alors, on est parti. On a la chance. Vous voyez, là, il n'y a pas les petits ronds avec des espèces de piquants autour. Ok, bon déjà on a déjà ramené des gens. Avec un peu de chance, on aura tellement de nourriture que ça sera pas un problème. Ok, donc là il y en a qui se sentent un petit peu en danger. Oh la vache, arrêtez de venir les gens. Tout le monde vient, on va avoir 4 nouveaux. Bon, ils vont mourir de faim, on va les laisser dans leur coin. C'est pas grave, il y en a même 5. 1, 2, il y en a 6. Ok, on va doubler notre équipe. On va pas leur dire que les derniers sont morts. Hein. Donc là, il nous reste un peu plus d'1 minute. J'espère qu'ils ont trouvé plein de nourriture à la cuisine. Alors, on va accélérer maintenant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc là, ils devraient rentrer. Ok. Alors, regardons ce qu'on a chopé. Médicaments, médicaments. Non, on a que des médicaments. Ah, on a trouvé un de nourriture. Pas possible. Sérieux? Un seul de nourriture? Est-ce qu'on peut y retourner? On peut pas y retourner les autres. Regardons le plan, est-ce qu'il y a quelque chose? Shop, hardware, bathroom. Donc là, il n'y a pas de quoi. Mais on va devoir. De toute façon, on est obligé de renvoyer les gens. Hein. On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve plus de nourriture. Parce que là, si je regarde bien. non, c'est pas celui-là. On a de la nourriture pour 4 jours. Médicaments, un nourriture, génial. 4 jours, 4 jours, ça peut nous amener jusque où? Là, il y avait quoi? Il y a un pub. Pub, on va arriver le 13. 1, 2, 3, 4 jours, mais on risque d'avoir des morts d'ici là. Là-bas, on va arriver le 15. Et on n'a plus cuite de carburant. Ok. Donc, en plus, on devrait se déplacer rapidement. On va devoir utiliser tout notre carburant, donc c'est pas une bonne idée. On va tenter. Un autre endroit. Et Clothing, il a quoi en plan?
Les endroits avec du stockage, on commencerait ici, on pourrait fouiller un petit peu là. Shop, shop, storage. Le storage m'aurait intéressé, mais il y en a d'autres ici. J'aurais jamais le temps de monter jusque là-haut. On a 1 minute 32. On est parti. Alors, même équipe. Donc, Nelson, tu vas garder. Ah, tu vas garder. Là, je suppose que c'est là. On va rester moins longtemps. Ah, on a 1 minute 32, donc il va falloir rester encore moins longtemps. Ok, tu vas rester. Garde 5 secondes. Alors, est-ce qu'il y a des gens déjà là-bas? Je vais ramener personne. Ok, il n'y a pas de gens là-bas. On va pas en ramener. Et il va devoir. Oh, il va devoir rentrer par là-bas. Ah ouais, on doit rentrer de super loin. Ouais, non, non, c'est pas un bon endroit. On va plutôt aller. Ouais, on va plutôt aller au hardware. On regarde. On commence. Oh purée, l'entrée est super loin. C'est encore plus loin que l'autre. Bon, ben, go. Hein. Donc, bah, tu vas garder là. Voilà. Donc, on va pouvoir chercher que ici. Alors, maintenant le suivant. Smith, tu vas chercher. 3. Tu cherches là. Ah, j'ai pas regardé Smith, combien de temps je l'ai mis? 1 minute 37, 1 minute 52, ouais, trop long pour lui. Donc là, ça ferait 1 minute 25, donc c'est bon. 4. Alors, je crois que j'ai fait tout. Ah, Reed A. Le 5? Bah si, je lui ai donné un ordre. C'est le garde. Ah non, c'est un. Non, c'était le 5 que j'ai donné l'ordre. Ok. Rechercher. On va le mettre proche de l'entrée. Ok. Bon, on est parti. Priorité ça. Deuxième priorité, carburant. Il n'y en aura pas, mais on sait jamais. Confirme. Et on va accélérer un petit peu le temps. Ok, donc là il y a encore du temps qui reste. Le brouillard augmente. On les fait revenir. Ouais, ça va être faisable largement. Et le dernier arrive. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il en a chopé? Regardons. Matériel, scrap, scrap. Pas de nourriture. Ok. Bon bah, on va repartir au pub. Et le problème c'est qu'après on n'aura plus de carburant. Mais c'est pas grave. Donc le pub est là. On va arriver à 4h du matin. Là on va arriver à 12 AM. Donc c'est à minuit. Ça m'arrange pas vraiment. Et on arrivera le 14. Bah, on va voir ceux qui sont dans le wagon 2 qui vont mourir. Hein. Pas le choix. Pas le choix du tout. Bah on est parti. Oups, je reviens en arrière. Et je pense à la fois que je commence à trier ceux que je veux qu'ils meurent. Hein. Ah, attention, ils sont 11. Est-ce qu'il y a suffisamment. Hein, on a 6 jours de nourriture maintenant? Pourquoi? On a maintenant 6 jours de nourriture. Donc, alors demain, on va prendre de la nourriture du 1. Ah, bah non, j'ai qu'un bloc de nourriture. Bah, on va devoir renvoyer des gens ici, donc dans ce cas-là, vu qu'il y a 6 jours de nourriture pour tout le monde, donc on va pouvoir nourrir tout le monde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est. Je comprends pas comment on peut avoir 6 jours de nourriture. Là, c'est suffisamment de nourriture pour 2 jours pour un wagon complet. Un wagon complet, c'est 15 personnes. On a au total 15 personnes. Alors, comment on peut avoir 6 jours de nourriture? Parce que là, les 6 jours, ça prend en compte tout le monde. Ah, c'est quoi leurs inquiétudes? La nourriture. alors, est-ce qu'il y a de la nourriture dans le. Non, là, il n'y a pas de nourriture. Et ça, c'est du. C'est des défenses. Là, on a des médicaments. Bah, je comprends pas. Est-ce qu'il y a un icône qui.
Non. D'accord. Bah, je sais pas. Bah, en tout cas, on a bien avancé. On a réussi à survivre un épisode de plus. On pourra encore survivre un autre. Alors, du coup, vu qu'on a 6 jours, je vais regarder. Et si je clique là, si on va à la vitesse moyenne, on va arriver le 14. 1, 2, 3, 4. Ça va nous économiser pas mal. Regardez, au lieu d'utiliser 4, on va utiliser 3. Ça nous en laissera 5 pour aller ailleurs. Donc, ouais, on va y aller à la vitesse moyenne. Voilà. Ou alors j'aurais pu le faire moi-même, hein. Putain, j'aurais pu baisser. On va économiser. En plus, on n'est pas menacé, alors on va peut-être être attaqué par eux. Mais bon, voilà. Et donc du coup, cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur. Regardez, on va passer à la période garde. On va dormir, et là, je vais sauvegarder ensuite. Et on va pouvoir arrêter l'épisode. Pour pas avoir le bonus, hein, donc le malus plutôt, du fait que je suis revenu en arrière. Ah, alors on se fait attaquer par quelque chose. On a des gens, alors je sais pas c'est lequel lui. Est-ce que ce sont les Fearless? Est-ce qu'ils nous indiquent sur l'écran par quoi on se fait attaquer? Non. Alors regardons le résultat. J'ai toujours peur qu'on m'envoie deux messages. Ok, donc on a réussi à repousser l'attaque. Les choses auraient pu être pires si Roy Edwards n'avait pas agi si rapidement. Il a gardé les barricades... bien, voilà. en les réparant quand il avait besoin. Un blessé. Et l'autre? D'accord. Et une défense. C'est vrai que dans le... on a mis les défenses dans le 1, mais on n'en a pas mis dans le 2. Mais apparemment, tout le monde a l'air tenir le coup. Donc maintenant qu'on est à la loterie, je peux, vous voyez, avoir le bouton sauvegarder ici. Je ne l'ai pas si jamais je suis dans les autres modes en cas il est grisé. Donc voilà, bah merci à vous et à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye.